Travail. Oui. Alors, je vais vous donner un dossier de candidature à remplir et qu'il faudra nous retourner, en sachant qu'il y a peu de chances que votre candidature soit retenue, parce qu'on a déjà une liste d'attente assez importante, et encore aujourd'hui, ce monsieur-là qui attend. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Si les gens étaient un peu plus différents. Bon, combien il y a d'embauches en entreprise? Excusez-moi, j'ai la patronne du Boston qui cherche une serveuse, je lui dis quoi? Tu pourras y aller après-midi? Cet après-midi, oui. Oui, il ira cet après-midi à 3h. Très bien, merci. On a une serveuse dans nos fichiers? Oui, nous avons une serveuse que l'on vient de former, mais c'est tout. Vous voulez faire quoi comme travail? Serveuse de restaurant. Vous avez une formation? Non. Vous êtes à l'IMPRO et vous n'avez pas fait de formation? Ah oui, j'avais oublié. Vous savez mettre à la table? Ah oui. Vous savez prendre une commande? Je ne sais pas lire et ni écrire. Ah, c'est embêtant, mais on se débrouillera. Bonjour. Je suis Martin du SAFIP. Ah, bonjour, je pensais que vous m'aviez oublié. On va se mettre par là-bas? D'accord. Allez-y, installez-vous. Vous voulez voir quelque chose? Alors, dites-moi tout. Vous m'avez trouvé une serveuse. Ça, c'est parfait. Alors, comment ça fonctionne? Je ne connais pas bien, hein. Je n'ai jamais travaillé avec votre service, donc expliquez-moi un peu. Les horaires, c'est de 10h à 15h, si on n'a pas le permis. Ah, de 10h à 15h, hein. Oui, en même temps, ça colle assez avec la restauration. Par contre, le week-end, il faudra qu'elle vienne un petit peu plus tôt. Le week-end, elle ne peut pas travailler parce que le SAFIP est fermé. Ah, donc le week-end, ça fonctionne pas, et le jour férié non plus, je suppose. Non plus. D'accord. Donc, ok, en même temps, c'est à midi hein, qu'on a le plus de monde, donc c'est là que j'en ai le plus besoin. D'accord, et sinon, ça fonctionne comment pour le salaire? Je suppose qu'elle est payée, cette jeune fille. Hein. 9,63€. 9,63€? Mmh. Ah ouais. Dis donc, moi je pensais que c'était moins cher parce qu'elle était handicapée. Le prix du pain est pareil pour tout le monde. Ouais, effectivement. C'est sûr que quand elle va chercher son pain, elle le paye pareil. Mais bon, quand même, là, ça fait 1€ de plus que le SMIC. On va peut-être commencer avec le SMIC. Hein. D'accord. Bon, très bien. Donc, elle va pouvoir démarrer assez rapidement. Elle sait servir, mettre à la table, débarrasser à la table, prendre la commande. Elle est formée un peu? Elle sait ni lire ni écrire. Ah ouais, pour prendre la commande, ça doit pas être simple. Hein. Il y aura l'éducateur qui viendra toutes les semaines pour une adaptation au poste. Donc c'est l'éducateur oui, qui va s'en occuper. Mais bon, elle pourra prendre les commandes quand même. Oui, oui. Ah. Bon. J'ai hâte de voir comment ça va, après ça va fonctionner. Hein. Très bien, elle peut commencer quand? Lundi. Lundi, eh ben, c'est parti alors. Et je vous donnerai le contrat lundi aussi. Ah oui, il faudra signer le contrat lundi et puis j'aimerais bien la rencontrer. D'accord. Bonne idée. Merci beaucoup. Voilà Juliette, donc là c'est les menus que tu vas distribuer aux gens. Oui. Et les gens vont écrire
le nombre de menus qu'ils veulent de vin. Par exemple, s'ils veulent deux terrines de campagne, ils marquent deux. Oui. Tu leur expliques ça? Oui. Tu leur donnes le menu et ils remplissent. Oui. Et Il y a les menus. Oui. Il y a les entrées, il y a les plats. Il y a les plats, il y a les desserts. Oui. Et passion. D'accord. Et c'est vous qui remplissez ça? Ah. Accent. C'est original ça, dis donc. Voilà. Je vous donne. Merci, mademoiselle. Et ça, tu choisis que tu veux manger. Ah ben, d'abord les dames. Les nombres de chaque plat. C'est sympa, ça. Ça sort bien quand même, hein. C'est une bonne idée les menus avec, pour cocher là. En fait, on n'a pas besoin de savoir lire et écrire. Ah oui. C'est bon à savoir. Bonne idée. Donc, écoutez, on va signer la convention. Si tout se passait comme ça, on n'aurait pas besoin de vous pour changer les choses.